Bonjour maman. Zaz, où vas-tu comme ça? Maman, j'ai pas pour rejoindre des amis. C'est important. Hey, tu sais que nous traversons une période difficile sanitaire due au coronavirus. Donc tu dois réduire tes sorties et tes fréquentations pour ne pas être contaminé. Bon, maman, mais là, il faut que je sorte. C'est très important. Bon, je vais faire attention. Je vais ok, y a pas de problème. Donc prends ton masque. Tu dois le porter à tout temps. Bon, maman, moi j'ai déjà porté un slip en dessous. Et puis vous voulez que je porte un autre au niveau de la bouche. Bon, est-ce que vous n'exagérez pas avec votre histoire de coronavirus là? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un même qui souffre du coronavirus? Zo, tu sais que je n'aime pas ton comportement là. C'est pas la peine. Salut les gars. Hey, c'est Romain. Bah, ça va. Stop. Comme c'est toi qui dois acheter le thé, tu ne veux pas venir quoi? Non, Ben, ne te fous pas de moi. Tu as déjà une fois acheté le thé à ma place ici. Ça le parle. Et ça vaut la peine de m'insulter. Tu es malade, non? Oh les gars, on se calme. Ça ne vaut pas le coup. Hey les gars, excusez-moi. C'est ma mère qui était en train de me casser les tympans là. À chaque fois, il faut laver tes mains, porte ton masque, il faut aller limiter tes sorties. Bon, elle me saoule à la fin là. Hé Georges, tu ne trouves pas que ta mère a raison? Quelle raison ça? La mienne est pire. Elle croit que c'est elle le secrétaire général de l'OMS. Elle veut éradiquer cette maladie à travers moi. Le corona même n'existe pas. Hé hey, vous deux là, la COVID-19 est une crise sanitaire d'envergure mondiale. Le Burkina Faso compte actuellement plus de 13 000 cas de COVID-19 et plus de 150 décès. Les médias nationaux et internationaux, privés et publics en parlent. Pensez-vous que ces personnes et ces institutions vont inventer des choses comme ça? Pour quelle raison? Je pense que Bouba dit vrai. Nous sommes la jeunesse consciente et nous ne devons pas réfléchir comme ceux qui ne sont pas allés à l'école. Nous devons aider à sensibiliser les autres au respect des gestes barrières. Cela va aider les autorités à mieux gérer cette crise. Bon, je pense que ça c'est vrai. Nous devons adopter de bonnes habitudes à travers des gestes restrictifs pour éviter cette pandémie. Si par votre stupidité, vous partez prendre la maladie, vous êtes jeune, vous pouvez ne pas mourir. Et vos parents qui sont âgés, seriez-vous content de voir vos parents et vos proches mourir par votre faute? Pourriez-vous le supporter durant toute votre vie? Eh les gars, changeons nos habitudes pendant qu'il est temps. Ah Georges, tu n'as plus rien à dire. Tu as avalé ta langue. Donne le thé là ici. J'avais oublié. Mon professeur m'avait remis des masques. Tenez. Merci. Ah, j'avais oublié. Ma mère même m'en avait donné un. Mais trop de viande ne garde pas la sauce. Ça vient toi, tu te laves les mains maintenant? Oui, maman. S'il te plaît, ne dis plus rien. J'ai compris. Je ne veux pas que mon comportement soit source de problèmes pour moi et pour vous. Donc, j'ai décidé de changer. Ah, c'est bien ça. Félicitations. Merci, maman. Coronavirus, a cassette net long rien.